Aujourd'hui, je vais déguster avec plaisir les polentas à base de farine de maïs, épicée légèrement et aux oignons. Ça s'appelle makki ki roti. Et on mange très souvent ce pain en hiver. On mange ce pain nature avec les épinards ou préparé ainsi avec les oignons, les épices. Et aujourd'hui, je suis chez ma belle-sœur et c'est sa chef qui vient tous les jours pour préparer à manger, qui nous prépare notre petit déjeuner aujourd'hui. Elle a préparé la pâte avec la farine de maïs, les épices et les petits dés d'oignon. Elle a utilisé de l'eau chaude et ensuite elle a roulé le chapati, le paranta, sur une feuille de plastique parce que c'est plus facile de le poser sur le poêle. Le poêle qu'on utilise, c'est notre tava, le poêle traditionnel pour préparer les chapatis qu'elle a graissé légèrement. Là, vous voyez des petits dés d'oignons rouges, c'est très beau. Là, elle détache le chapati, mais elle ne le retourne pas encore. Elle va le laisser cuire à feu doux pendant une minute et ensuite elle va le retourner. Elle commence à préparer le deuxième chapati et elle laisse le premier à cuire doucement, lentement, à feu doux. Quand le chapati ou le paranta sera prêt, elle va le graisser avec de l'huile et à la fin, elle va mettre un petit peu de ghee fait maison par-dessus avant de nous le servir. Moi, je vais le manger comme ça, avec mon chai. Mais, par exemple, ma belle-sœur, elle va le manger aujourd'hui avec le beurre fait maison, le beurre doux. On peut le manger aussi avec le yaourt nature, par exemple. C'est très beau et une recette très facile. Essayez.